dessins animés, je regardais ça à la télé, de temps en temps, il passait des extraits à une émission de Pierre Tchernia qui s'appelait L'ami public numéro 1. J'ai toujours trouvé ça formidable, mais je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir c'est qui ce petit personnage? Parce que dans le dessin animé, on ne voit pas trop, quoi. Il déboule comme ça, et puis on ne sait pas qui, quoi, qu'est-ce, d'où il vient, pourquoi, et pourquoi le nom Peter Pan, pourquoi l'association de Peter et de Pan, pourquoi le capitaine Crochet, comment il s'est fait couper la main, pourquoi comment le crocodile fait tic-tac, pourquoi ceci, pourquoi cela. Bon, là-dessus, j'ai rajouté plein de choses qui n'existent pas du tout dans le roman, hein. Ce qui m'intéressait, c'est de trouver l'origine de ce petit garçon qui s'appelle Peter et qui un jour deviendra Peter Pan. En fait, moi, je m'arrête quand le roman commence. C'est vraiment une adaptation extrêmement libre du mythe de Peter Pan, quoi. En réal, t'as des projets comme ça et ça fait partie d'un de mes rêves d'adapter Peter Pan de Loisel. Pas Peter Pan de James Barry, qui est la base de Peter Pan, pas autre chose, c'est vraiment celui-là. Surtout pas raconter l'histoire de Peter Pan de Barry, qui est très bien, mais c'est pas la mienne. Moi, j'ai utilisé les personnages et je leur ai donné une origine, d'où ils viennent et pourquoi ils font ça, quoi. Effectivement, Hook, j'ai vu toutes les versions que je connais. J'ai pas été plus loin que celle de Disney parce qu'il y en a une avant. Après, il y a la pièce de théâtre et voilà. Mais en adaptation, j'ai vu que celle de Disney. J'ai vu Hook et j'ai vu celle de Hogan. En même temps, effectivement, c'est bien de voir une adaptation, leur adaptation, et on voit que tout est différent. C'est pas l'univers de Spielberg, c'est pas l'univers de Disney, c'est celui de Loisel, quoi. Comme c'est un thème, le thème de Peter Pan, que les gens connaissent Peter Pan à travers Disney, et surtout à travers le côté histoire pour enfants, et que la mienne n'est pas du tout faite pour les enfants. Donc effectivement, j'ai pas le même truc. Mais je sais que tous ces gens qui ont aimé ma bande dessinée, donc mon interprétation, vont vouloir y retrouver des éléments, et notamment, par exemple, je pense que la fée Clochette, il faut vraiment que la fée Clochette soit la fée Clochette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre surtout pas tomber dans le travers de dire, tiens, on va faire un casting avec, je ne sais pas, une jeune actrice connue, même si elle ressemble pas, mais ça fait rien, elle est très connue, donc ça va faire de l'audience. Parce que, surtout pas, surtout pas. Leslie Borglin, je trouve qu'au niveau du minois, elle est formidable. Elle a un visage qui est tout à fait, au niveau des expressions, je trouve qu'elle est très. Qu'elle correspond tout à fait à la fée Clochette. Il faut absolument que les gens retrouvent le physique, le caractère de ce qu'ils ont perçu dans la bande dessinée. C'est ça que je voulais vraiment garder, c'est l'esthétique, côté dur, se dire bon bah c'est pas le Peter Pan qu'on connaît, c'était celui de Loisel à la base, et adapter tout ça et ressortir tout ce que moi je fais passer par rapport aux acteurs, quoi, en plus de tout. Plus ça, elle est plus dans la force de l'émotion des acteurs, des personnages, et puis enrichir par rapport à de la matière, que ce soit au niveau des costumes, du décor et tout ça, quoi. Par rapport au pilote et tout ça, j'avais vraiment aucune appréhension quand j'ai su qu'on avait le feu vert et tout ça, quoi. Vraiment aucune, même si le projet est super dur, en fait j'étais plus content de l'adapter. Que j'appréhendais. L'appréhension venait plus de la rencontre avec Loisel, finalement, avant. Se dire, est-ce qu'il va m'octroyer le droit de tenter l'aventure ou pas? Je lui ai dit, écoute, pas de problème. Je lui ai dit, je vois pas trop comment tu vas te débrouiller pour faire un espèce de court-métrage. C'était pas un teaser, hein, c'est vraiment un court-métrage. Je lui ai dit, je vois pas, bon, de 5 minutes, même 10 minutes, on peut pas raconter, résumer ça à 10 minutes. Il m'a laissé vraiment carte blanche. Il m'a dit, t'as une BD, tu vois ce que tu peux en faire avec ce que tu as. C'est toujours pareil. Faut être ambitieux, super ambitieux, mais avec ce qu'on a. Et une adaptation, c'est essayer de retrouver ce qui t'a
t'a touché dans ce que tu as lu, dans ce que tu as vu, et puis de reconstituer, de redonner ça à un public. Et le public, si le public il a vu aussi le roman d'origine, il a des attentes. Donc il faut, c'est pas du tout évident. Parce que t'es quand même, comme on dit, borderline. C'est-à-dire que ça peut faire très kitsch, comme ça peut être super réussi. Tu vois, t'es à la limite du truc, quoi, avec des costumes comme ça, avec le peu de moyens qu'on a. Ouais. J'ai une tendance à avoir une narration très narrative, très cinématographique. Et je dis pas qu'il faut pas la faire, je dis que par moments, il faut pas coller à ça. On peut être tenté d'être collé à ça. J'ai envie de raconter ce qu'il n'y a pas dans les cases. Justement, c'est le but du pilote. Le pilote, je me suis juste basé en fait sur une phrase que dit Pan à la fin du tome 1. C'est « J'ai envoyé une petite fée aller chercher notre sauveur ». Après, j'ai commencé à voir les images retraitées, les incrustations de trucs sur fond bleu. Tu dis « Ah là, ah oui, ça commence à prendre de la gueule, quoi ».